Salut Sofiane, comment tu vas? Grâce à Dieu, très bien. On a vu qu'il y avait beaucoup de respect dans ce face-à-face. Qu'est-ce que tu as vu dans le regard de ton adversaire? Comment est-ce que tu sens la tension, on va dire? Le regard, on s'est regardé normalement comme des hommes, hein. Il y a le respect, donc on ne peut pas dire quelque chose sur le regard en fait. On sait que tu as un très bon striking. Tu feras face demain à un lutteur très agressif. Est-ce que le sprawl, la défense en lutte, est un aspect que tu as travaillé en particulier durant ta préparation? Ah oui, oui, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il fallait ça. Il faut ça pour gagner Jean-Bièvre. Sinon, ça va être mort. Qu'est-ce qu'une victoire sur le dangereux Ramzan Jean-Bièvre représenterait pour toi et la team du Marseille Fight Club dans ce classico inédit dans lequel tu représentes Marseille? Ah, ce serait magnifique. Revenir avec la victoire à Marseille. Oh là là, on va le fêter comme il se doit. Hein. En plus, le lendemain, c'est mon anniversaire. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Je remporte la victoire, ce serait parfait, franchement. Dans ta salle, il y a des champions, pas mal de champions comme notamment Aymar Guy de l'Hexagone et bien d'autres. Le fait de pouvoir t'entraîner avec des fighters d'un tel niveau, t'a-t-il aidé à élever tes capacités martiales au niveau supérieur? Ah oui, j'ai commencé, j'étais zéro, en tout, hein. Donc ils m'ont tout appris et je suis fier d'eux et tous les jours j'apprends, c'est un régal. Franchement, je m'entraîne avec des bonnes personnes, des monstres. Tu peux que être fort après, hein. Tous les jours tu progresses. Des fois je morfle, je le démon, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Comment te qualifierais-tu en tant que combattant? Un gros striker, quelqu'un qui met la pression, plutôt complet? Je me dirais, hein, j'ai peur que de Dieu en fait. Et j'fonce, jusqu'à que le premier tombe. Hein. Et voilà, je veux tout le temps gagner, je suis un gagnant. Ok, bah alors du coup, l'une des dernières questions, t'es un très bon striker, mais pas que. Peux-tu nous dire, parce qu'il y en a peut-être qui vont sous-estimer peut-être ton ground game, peux-tu nous dire à quoi on peut s'attendre demain soir face à Ramzan dans la cage? Ah, ça c'est la surprise, vous allez voir demain, sinon c'est trop facile, il n'y a pas de surprise sinon. Un dernier mot pour les fans, ceux qui te suivent à Marseille et toute la communauté. Les gars, moi je remercie déjà mon coach Fossard, je remercie mon manager qui est là, qui me suit depuis le début, grâce à lui je suis là, parce que sinon je n'aurais rien fait. Déjà pour tout, hein, les papiers, les bordels, je vous jure que moi je suis un flemmard. Je remercie tous les gens qui sont venus pour moi et allez l'OM, on est à fond, on est Marseillais et fiers de l'être. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Vous allez sur mon Instagram, c'est Soso1988 fanatique. Voilà, j'y vais de temps en temps, mais après je suis timide. Je suis trop timide et j'ai honte, bordel. Merci à toi, merci. Give me 5, give me 10, call me daddy.